je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Jésus, Jésus, alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, oh, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, Seigneur Jésus nous a fait un grand miracle. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné un cadeau. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a fait de tous les cadeaux. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, 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 dis-nous ce qu'il a fait. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Jésus nous a fait de grands bébés. Alléluia. Alléluia. Et je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Vite, vite, vite. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Et Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Et je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Et je ne vous dis pas, ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Le Seigneur Jésus nous a donné que bébé. Alléluia. Oui. Alléluia. Le Jésus nous a donné un cadre bébé. Alléluia. 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 Le Seigneur Jésus nous a donné un grand bébé. Alléluia. Quatre bébés. Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, le Seigneur Jésus nous a donné des bébés. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné des bébés. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné deux garçons. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a donné deux filles. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Oh, dis-nous. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous. Oh, fille, oh, voilà. Oh, dis-nous. Je vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Oh, dis-nous, oh, dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Jésus nous a donné de grands cadeaux. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia.
vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Chauffez, 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 chauffez. Chauffez, chauffez. Oui, je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous ce qu'il a fait. Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Et je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Je ne vous dis pas, je ne vous dis pas ce qu'il a fait. Dis-nous ce qu'il a fait. Le Seigneur Jésus nous a fait de grands cadeaux. Alléluia. Chauffez, chauffez, chauffez. Chauffez, chauffez, chauffez. Do and Jesus. T'asseoir.
Tu n'as pas encore acclamé pour Jésus et tu t'assois. Acclame pour Jésus. Clap for Jesus. Ah. Alléluia. Amen. Peuple de Dieu. People of God. Jésus, je Jesus, ne sais pas ce qu'il va faire encore. I don't know what he will do again. Pour prouver. To prove. À cette génération. To this generation. Que c'est ici. That it is here. Je ne sais pas ce qu'il va faire encore. I don't know what he will do again. Alléluia. Amen. Il a annoncé he announced la saison des mariages. The season of marriage. Et la saison des mariages est accomplie. It's accomplished. Alléluia. Maintenant, now, après la saison des mariages, after the season of marriage, quand on plante quelque chose, when something il faut is planted, s'attendre à des fruits. Look for the fruits. Donc, juste après la saison des mariages, after the season of marriage, il a ouvert he opened la saison de the l'enfant de acclamé. C'est le record. It is the record. Le record. The record. Dans la même semaine. In the same week. Quatre enfantements. Birth. Et tous sont vivants and en bonne santé. In good health. Deux garçons. Two. Et deux filles. Two daughters and two sons. Deux serviteurs. Two servants. Et deux servantes. And two servants. Daughters. Alléluia. Pour vous dire. To tell you. Qu'il est dedans dans that ce réveil. He is in this revival. Qu'il est ici. He is here. Regardez comment les enfants see sont jolis. See how the children. Et les mamans sont jolies, jolies. Beautiful. And the mom are also beautiful. Alléluia. Amen. Ce sont les signes qui donnent. They are signs à nous, ses enfants, that he give to dans ce réveil, his children in this pour revival, nous témoigner que to testify that tout ce que, all, tout ce dont nous avons besoin, we need, nous n'avons pas besoin de pleurer we pour need ça, not to cry for that, tant que nous marchons selon sa volonté. If we are walking according to tant his que will, nous faisons sa volonté, we are doing his will, nous n'avons pas besoin we have no de prêcher sur prospérité, to preach on prosperity, de prêcher sur l'enfantement, sur birth, le mariage, sur quoi marriage, quoi, avant qu'il ne nous l'accorde. Before he give us. Parce que because il connaît he knows ce qu'il faut what we want à ses enfants. To his children. Alléluia. Il y a seulement quelques jours. Just some days. Il y a seulement quelques temps. Sometimes. Qu'on a présenté ces couples. We presented. Qu'on les a consacrés. Couple. We et déjà, them. Aujourd'hui, today, le Seigneur les fait passer Lord, make them à une pass étape, à une nouvelle étape. New step. Alléluia. Le Seigneur a brisé. The Lord break. Le joug de stérilité of sterility dans leur vie in their life pour les amener to bring them à la dimension to the dimension de père et de of mère father and mother. Désormais henceforth, ils sont des papas they are father, ils sont, elles they sont des mamans mothers. En Jésus in Jesus, ils n'ont rien payé they pay elles nothing, n'ont rien payé they pay nothing. Et Jésus Christ, and Jesus Christ a agi at c'est Jésus qui fait ça. It's Jesus who do it. Alléluia. C'est Jésus qui fait ça. It's Jesus who does it. Et ce qu'il a commencé, and what he has started, c'est ce qu'il va faire. It's what he will dans do la vie in the life de tous ses enfants, of all his children, qui sont dans ce réveil, who are in this revival. Ce qui manque à chacun what de vous, lack to each of Jésus connaît. Jesus knows. Ayez confiance en lui. Have confidence. N'ayez pas trust confiance en un homme. Don't trust mais into ayez a man, confiance but trust en Jésus. Into Jesus. Même si ça tarde. Even that delay, même si even les hommes pensent que think c'est fini. That is il n'y a plus d'espoir. There's no hope. Là où l'espoir des hommes when finit. Hope of man là où ends, l'espoir des hommes s'arrête. When hope of c'est man pas là ends, que le miracle de Jésus commence. Then the miracle of Jesus starts. Alléluia. Amen. Je sais que
I know mon frère miracle a de, brother, miracle a de témoignage has testimony parce qu'il s'inquiétait. He was afraid. Il m'appelait évangéliste. He was calling me evangelist. Soutiens-moi dans la prière. Sustain me in prayer. Alléluia. Amen. Et je lui dis, mon frère, and I told him, Jésus est dans la barque. Jesus is in the ship. Alléluia. Alléluia. Vous allez leur donner le micro. Je sais que quelqu'un a un témoignage de ce que le Seigneur a fait. Has a testimony of what the Lord has done. En bref, si c'est if maman, si c'est papa, ou si c'est papa et maman, c'est que l'impact que cet événement a dans ta vie. The impact this event dis-nous. Has in your life. Tell it. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Parce que nous avons besoin de ça. Ça n'a pas été facile. L'évangéliste, on a dérangé l'évangéliste, les serviteurs, ils ont prié pour nous. Ils nous ont donné le courage qu'il faut. Oui. À un moment de la vie, et si ce que tu espères, tu ne vois pas, il y a un petit souci. Mais comme le Seigneur est dedans, il nous donne le courage. Allez-y, patientez. Le Seigneur va faire. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur l'a fait. Nous bénissons le nom de Dieu. Alléluia! Est-ce que maman a un petit témoignage? Alléluia! Amen, amen. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et je dis juste, Jésus est bon. Parce qu'après l'accouchement, c'est ce nom-là qui m'est venu à la bouche. Jésus est bon. Ah! Jésus est simplement... bon. Jesus is good. Amen. Le suivant. Alléluia. Amen. Nous bénissons vraiment le nom de l'Éternel. Amen. Lui qui nous a permis de voir ce jour aujourd'hui s'accomplir. Amen. C'est vrai, on s'est marié ici il y a de cela environ 11 mois. 11 mois seulement. Ça n'a pas fait un an. Non. Hey! Ils n'ont pas fait un an de mariage et Jésus les a bénis. Yes. Il est un Dieu merveilleux et il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Yes. Toute la gloire à lui. Mais il faut reconnaître que le chemin n'a pas été facile. Surtout à l'approche de l'accouchement, précisément à la période où il faut préparer le trousseau. Le monde des ténèbres s'est levé. Mais il faut dire que avant cela, avant que l'événement là n'arrive, 3 mois environ, le Seigneur a commencé par nous informer que nous aurons un événement qui va nous attaquer. Donc, on n'a pas baissé les bras dans la prière, la prière de minuit. À tout moment, on montait pour aller prier. Nous, on ne savait pas quel genre d'attaque on aura. Quand le Seigneur a su classer les choses, le moment où l'ennemi allait nous attaquer, c'était en pleine période où nous étions en haut. On n'était pas en bas en ce moment. Et je voudrais parler des 10 jours de jeûne et de prière dans la chambre haute. Donc c'est à la fin que le monde des ténèbres nous a visités. Et le projet était que tout ce que nous avons dedans allait être consumé. Mais tous ceux qui sont venus sur les lieux peuvent témoigner qu'ils vont constater la présence d'une main forte qui a concentré le feu dans un coin. Et le feu, quand bien même ça agit sur le salon, ça n'a rien consumé, même pas une seule aiguille à l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Et c'est le lieu pour moi de remercier tous les serviteurs de Dieu, en particulier l'évangéliste Jean Gratien et sa femme, qui n'ont ménagé aucun effort à nous soutenir. C'est vrai, le Seigneur nous a préservés contre les dégâts, mais là où on parle du feu, il doit avoir forcément des choses consumées. Le poids que ça allait exercer sur nous, l'amour des frères et sœurs, les sœurs qui nous ont visités, les frères qui nous ont visités, et la main forte du serviteur de Dieu qui a un grand cœur de compassion envers nous, nous a soulagés et le poids, on ne l'a pas senti. Toute la gloire à l'Éternel des armées. Alléluia.
Je remercie aussi l'Éternel des armées pour la vie de son serviteur, le prophète Étienne, qui depuis la grossesse a commencé par prier contre toutes sortes de révélations que le Seigneur lui donnait sur notre couple. Sincèrement, et même si je suis abandonné par toute ma famille, je suis ici et je ne manque d'aucun soutien. Amen. Tous les serviteurs nous ont rendu visite, tous sans exception. J'étais même au service quand on m'a dit, le pasteur Luc et tous les autres serviteurs, ils sont rentrés dans leur véhicule. Dans quelle église tu vas voir ça? Il faut être... Un serviteur de Dieu te rend visite, tu dois être d'un rang social vraiment particulier. Mais tel n'est pas le cas ici. On fait confusion entre brebis, on fait confusion entre brebis et serviteurs. Sincèrement, je suis rempli de grande joie. Et quand cette phase est passée, nous sommes arrivés au moment où ma femme doit accoucher. Le travail a commencé. On est allé à l'hôpital. La sage-femme qui nous a reçus, la version qu'elle nous servait, elle nous parlait d'un ton moqueur. Toi, tu es venu accoucher, tu dis, non, ton heure n'a pas encore sonné. Elle n'est pas venue accoucher. Range-toi là-bas. Et elle ne l'a même pas regardé. J'étais là, je voyais tout. Je ne pouvais piper mot. J'ai commencé par prier dans mon esprit. Quand le Seigneur a envoyé celle qui a l'habitude de la recevoir, automatiquement, quand elle est arrivée, elle a dit, mais c'est quoi? On ne l'a pas reçue jusque-là, pourquoi? Allez, monte, rentre dedans, je vais te contrôler. La dame l'a contrôlée, nous a dit, elle est au début du travail d'accouchement. Elle a dit ça, elle s'est retirée, elle a confié à celle qui devait normalement la recevoir parce que c'est celle-là qui est de garde. Elle a reçu ce chant, ce qu'elle a écrit, vraiment, ça a vraiment secoué notre poche. Mais l'Éternel est dans, nous avons tout pris. Nous avons tout payé. Elle nous a dit, rentrez. Elle dit, on dit que la femme est en travail, vous dites de rentrer. Elle dit, oui, de rentrer. Elle a pris tous les médicaments, on est rentré effectivement. Le travail qui a démarré s'est arrêté. Et dans la nuit, elle a dormi profondément. Elle dit, on a dit que tu es en travail, tu dors comme ça. Ce que je disais se passait de mercredi à jeudi. Donc, le jeudi matin, comme nous avons eu un événement malheureux récent, il y a les sœurs qui passaient. Il y a une sœur de Caravi, la maman Esther de Caravi, elle nous a visités, elle nous a appelés très tôt le matin pour nous dire qu'elle vient chez nous. À son arrivée, dans les causeries, elle a demandé à ma femme, mais comment ça va? Et ma femme lui a relaté un peu l'événement d'hier. Elle a dit, et tu es encore ici? Levez-vous tout de suite. Levez-vous en même temps. Je vais vous indiquer une clinique. Dans les centres publics, voilà comment ils maltraitent les gens. Mais cela ne va pas arriver. Au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Préparez-vous en même temps. Et aussitôt qu'elle est partie, nous, on a pris moto pour aller. Et celle qui nous a reçu a dit, les produits qu'on vous a prescrits là, même moi, à part ce produit, tu ne vas plus l'utiliser. Maintenant, je vais vous faire un traitement. Et elle lui a fait le traitement, elle a dit, puisque vous avez quitté loin, qu'elle reste ici, qu'elle se promène jusqu'au soir, et avant que vous ne rentrez, venez ici, je vais contrôler, voir si vous pouvez rentrer ou si elle va rester. Quand on est revenu le soir, l'Éternel a fait son miracle, et la dame a dit, tu restes, ce qui te reste, c'est d'aller chercher les colis, et tu viens. Je suis allé rapidement chercher les colis. La nuit jusqu'à 8 heures, entre 7 heures et 8 heures, l'Éternel a ouvert la porte et voilà ce qui est sorti. Toute la gloire à Jésus. Il y a une partie qui m'a beaucoup marqué là. Je veux que Sarah même nous parle de ça. Alléluia. Amen. Et c'était après l'accouchement.
juste après la délivrance du bébé, j'étais encore allongée sur la table quand je sentais le mouvement des sages et certaines, elles se murmurant eux. Je ne savais pas ce qui se passait et je me suis redressée un peu pour voir ce qui se passait. Et j'ai constaté qu'il y a un problème. C'est comme si j'ai un problème. Et je les ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Elles m'ont dit que le placenta n'est pas décollé et que ça ne peut même pas bouger de mon ventre. Et elles grattaient la tête. C'est comme si... C'est comme quelque chose de dangereux. Oui. Et moi, je les ai demandé, est-ce qu'elle peut, m'apporter mon foulard, d'aller au dehors, de demander à mon mari de me donner mon foulard. Donc, elles sont allées chercher mon foulard. Qu'est-ce que tu veux faire avec le foulard? Je veux prier. Ah! Voilà! Elles m'ont remis le foulard et j'ai noué ma tête sur la table d'accouchement. Et je les ai demandé de me libérer. Et elles ont quitté. J'ai imposé mes deux mains sur mon ventre. Et j'ai commencé par prier. J'ai commencé par déclarer. Chaudement, j'ai commencé par... Elles étaient étonnées, elles me regardaient comme ça. Parce que dans la salle, elles ont placé des photos de ma Vierge Marie, des statues. Donc, elles n'ont jamais vu un tout, je ne sais pas. Et j'ai commencé par déclarer. Et après, les ai dit maintenant de monter et de toucher si ça a décollé. Au même moment qu'elle est montée, elle a touché en même temps. C'est sorti comme si... Ah! Elle qui a poussé. Jésus! Et elle a dit, c'est quelle église? Elle a dit, c'est Jésus revient. Elle a dit, je n'ai jamais vu ça. Et elle a demandé aux autres sages-femmes que dans son église, c'est vrai qu'elle apprend que dans les églises évangéliques, on noue souvent la tête avant de prier, mais que dans l'église catholique, elles ne font pas ça. Catholique n'est pas église. Que, ça veut dire qu'il y a une puissance dedans. Un, elle a noté ça. Et de deux, que... Si désormais une femme a des difficultés pour la délivrance des placentas, c'est la prière qu'elles vont faire ça. C'est ce qu'elle a dit aux autres. Et donc, venir à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. C'est Jésus qui fait ça. Alléluia. Un autre témoignage rapidement. Israël, diacre Israël, tu as un témoignage. Alléluia. Alléluia. Croire à Jésus. Amen. Et ce que j'aimerais dire avant de commencer mon témoignage, et si on enlève le trompe d'une femme, est-ce qu'elle peut accoucher? Non. Maintenant, ça s'est produit. Ah! À ma femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais remonter un peu en arrière. Au début du réveil, quand j'ai reçu le message de la sanctification, nous étions dans une église de la Voie Large. Et quand j'ai reçu le message, le Seigneur m'a convaincu de quitter là. Ok, nous étions en fiançailles. On a déjà fait 7 ans de fiançailles. Maintenant, on a déjà fait la dot, le mariage civil. C'est en cette période que j'ai découvert que porter les bagues pour se marier, ce n'est pas biblique. Et c'est ça que j'ai pris la décision que je ne vais pas porter. Et c'est là que ça a été un rébellion, que je suis rebelle dans l'église. Donc les pasteurs, ils ont commencé par me maltraiter. Ils ont fait des trucs en sorte qu'ils ont appelé mon beau-père et ma belle-mère et demandé est-ce qu'ils sont, prêts à donner leur fille à cet homme. Parce que quand moi j'ai pris ma décision, les gens ne veulent pas que la femme m'accompagne. Maintenant, ils ont fait lavage de cerveau à mon beau-père, à ma belle-mère. Et mon beau-père m'a vu. Il a dit, c'est ici que nous nous sommes connus, non? Pourquoi on ne peut pas rester ici pour finir les choses? J'ai dit, ah, ça concerne la foi. Et la foi, c'est individuel. Moi, je veux aller au ciel. Je ne suis pas Jésus pour le mariage. Maintenant, j'ai appelé ma femme, j'ai parlé avec lui. Au fur et à mesure, quand je recevais les messages, les vidéos, les enseignements, je la partage. Mais même en sorte que nous sommes allés chez les serviteurs de Dieu, ils ont prié pour nous. En ce jour, ma femme a levé les mèches, les bouts d'oreilles, les peilles. Et quand elle est retournée dans l'église, on l'a fait lavage de cerveau.
Et elle a encore remis ces choses. Elle a dit, en tout cas, personne ne va pas me déplacer de mon église. C'est ici que tu m'as connu. J'ai dit, d'accord, moi, je suis prêt à tout pour aller au ciel. Qu'elle peut garder son église. Moi, je suis Jésus dans la vérité. Et j'ai laissé ma femme comme ça. Et nous travaillons, moi et les hommes de Dieu, j'accompagnais les hommes de Dieu. À un moment donné, j'ai prié, j'ai demandé au Seigneur, est-ce que cette femme-là, c'est réellement ma femme? La femme que j'ai dotée, ça fait de cela 2 ans. J'ai fait le mariage civil. Elle est encore chez ses parents. À cause de quoi? À cause de la vérité que j'ai découvert. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a révélé. J'étais dans ma chambre, le Seigneur m'a montré le pasteur de l'église. Le pasteur était debout et il y a une femme devant lui. Le pasteur a tendu sa main comme ça. Et la femme est devant lui, la femme pleurait. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Je n'ai pas bien découvert le visage de la femme. C'est en ce moment que je me suis réveillé. J'ai compris que c'est ma femme. Maintenant, je priais, je demandais au Seigneur, est-ce que c'est réellement ma femme, cette femme que j'ai dotée? À un moment, le Seigneur m'a dit oui. Est-ce qu'elle va venir chez moi? Le Seigneur m'a dit encore oui. À quelques moments, à quelques semaines, je suis allé encore chez ma femme, là où elle est à Vaudier. J'ai parlé avec lui, qu'elle voit que c'est la religion qui nous a arrêtés comme ça. Que dans le plan de Dieu, nous sommes déjà mariés, que je l'ai dotée. J'ai fait mariage civil, qu'elle est déjà ma femme, que c'est lui-même qui a voulu rester chez ses parents. Et j'ai parlé avec lui. Elle est un peu convaincue de ce que je dis. Elle disait qu'elle va me suivre à une condition qu'elle doit aller dans son église et qu'elle doit porter les mèches, qu'elle doit porter les boucles d'oreilles. J'aimerais vous mentionner que c'est une coiffeuse. C'était dans notre fiançailles qu'elle a eu son diplôme. Maintenant, je l'ai laissé, à une autre fois je l'ai revenu, elle a accepté de m'accompagner dans ma maison. C'est là que on a appelé tous les hommes de Dieu. Les saints ministres qui sont devant le réveil, les hommes de Dieu sont venus à la maison, ils ont scellé notre union. Malgré qu'elle a refusé de me suivre, moi j'allais seul, je venais ici seul. Maintenant nous sommes ensemble, ça fait quelques mois. Et le Seigneur, il m'a montré quelque chose. Il m'a montré qu'elle est venue, elle est ici. Nous sommes en train de prier avec lui, avec un serviteur de Dieu, le prophète Étienne. Nous sommes en train de prier pour sa délivrance, moi et le prophète. C'est là que la voix me disait, ils ont volé son trompe. Ils ont volé son trompe. Je me suis réveillé. Et j'ai dit cela à ma femme. Il a dit, oh, qu'est-ce que je raconte? C'est mon allumette qui est tombée dans l'eau. Qu'est-ce que je raconte? Je l'ai laissé comme ça. J'allais à mon église. Et nous avons fait un jeûne de 3 jours. C'est là que je lui ai dit que, est-ce que c'est le diable qui agit chez nous? Depuis qu'il suit Jésus, qui ne connaît pas Jésus, de venir savoir ce que Jésus est capable de faire. Et dans ces 3 jours de jeûne et prière, elle est venue à la fin. On a fait une veillée. Elle était venue. Elle a accepté d'enlever les boucles d'oreilles, tout ça là. Elle est venue, c'est le commencement de sa délivrance. Quand elle est venue, elle a vu comment le Seigneur agit. Les gens sont délivrés. Elle est étonnée. Et c'est là que je lui ai dit qu'elle me dit qu'elle connaît Jésus. Quand elle est venue ici, qu'elle ne connaît rien de Jésus. Maintenant, elle va connaître ce que Jésus fait. Je lui ai dit qu'elle va passer par la délivrance, le baptême, tout ça là. Elle a dit non, que lui, elle est délivrée, elle est déjà délivrée. En tout cas, personne ne va pas la délivrer. Je l'ai laissé comme ça. Nous venons toujours à l'église, elle voit. Les gens sont dans les églises, font des années. Ils ne sont pas délivrés. Et elle voit, ils sont venus, ont pris, ils sont délivrés, ils font leur témoignage. C'est là qu'elle a pris la décision maintenant de passer par la délivrance. Elle a ramassé tout ce que les accoutrements de Jézabel, tout ça là. On a brûlé. Elle a commencé la délivrance. Le jour de la délivrance, moi j'étais là, je priais avec les hommes de Dieu. Et le Seigneur, j'ai l'occasion de suivre un peu comment ça s'est passé. Le premier esprit qui s'est manifesté, c'est l'esprit de sa grand-mère. Sa grand-mère était un adepte de tronc.
elle disait un jour qu'elle a dit qu'elle veut se marier, qu'elle n'a qu'à se faire, on va voir. Et c'est l'esprit de sa grand-mère, on l'interrogeait, c'est elle qui l'a volé la trompe. Et c'était en pleurant, on le torturait, c'est en pleurant qu'elle a donné la trompe. Et c'est après ce fléau qu'elle a fait son baptême, c'est là qu'elle est tombée enceinte. Et c'est à partir de cela que le Seigneur nous a donné un fils qu'on appelle Josué. Ça, c'est mon premier fils. Je n'ai pas eu l'occasion d'être ici le jour qu'on va le faire sortir parce que j'étais voyagé avec les hommes de Dieu. Donc, c'est lui qu'on appelle Josué. Et maintenant, le Seigneur a encore doublé. Vraiment. Doublé. Le Seigneur a encore doublé. Il nous a donné encore un serviteur de Dieu. Ouais. Et comment même ça s'est passé? Je vais dire un peu. Et ma femme va mentionner ce qui s'est passé à l'hôpital. Nous étions à l'hôpital. Et moi, je priais en esprit, je priais fortement. D'abord, la première fois que nous sommes allés, les docteurs, les médecins, ils ont dit que ma femme, son trompe n'est pas ouvri, qu'on va retourner encore. On est retourné. Et la seconde fois qu'on est venu, c'est là que je priais. Ma femme était au salle d'accouchement. J'étais en prière qu'on vient m'informer que ma femme a accouché, d'amener les paillons. Ah! Et ce qui s'est passé dans la salle, elle-même est là, elle va parler de cela. Alléluia. Amen. Tout fonctionne bien. Donc, le premier accouchement que j'avais fait, c'était un combat. Mon voyage et mon époux était en voyage. Voilà, ils étaient allés évangéliser quelque part. Et je dormais une nuit, il est venu. Et on s'était tous couchés. Et du coup, je voyais un long personnage. Et un grand vent s'est introduit à l'intérieur. Et en ce moment, j'ai commencé par crier Jésus, Jésus, Jésus. Et le personnage spirituel a pris la direction vers mon mari. Et quand je criais, et il dit, ça c'est quel nom que tu prononces? Et par force, il est encore ressorti. Et la porte s'était fermée. Quand je disais ça, j'étais fatigué à mon réveil. Mon mari avait commencé par prier, me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Et je lui disais que c'est ce que j'ai vu dans le sommeil qui m'amène à crier Jésus. Et je lui ai expliqué cela. Et le jour de l'accouchement, arrivé là-bas, on commençait par tourner à rond. On me dit, va et reviens. Va et reviens. Je ne sais plus quoi faire. Et quand ça m'a dépassé, après ça, on m'a envoyé à l'OMEL. Quand je suis allé là-bas, on m'a dit non, tu peux accoucher maintenant. Et je leur ai dit, on m'a déjà fait trop de va-et-vient. Je ne sais plus quoi faire. Et on m'a dit, mais pourquoi tu ne pouvais pas fuir pour venir à l'hôpital? Et j'ai dit que c'est eux qui m'ont gardé là-bas. Et c'est comme ça, j'ai accouché. On m'a dit qu'il n'y avait aucun problème qui devrait m'empêcher d'accoucher. Et comme j'avais tellement
forcé, ça n'a pas marché, je suis fatigué. Et je bénis le Seigneur que j'ai accouché, l'enfant est vivant. Et ceci maintenant, cet enfant, ce dernier, je bénis encore le Seigneur. Et j'ai demandé au Seigneur de m'accorder la grâce d'accoucher librement comme les autres. Et en ce moment, je ne prenais plus au sérieux d'aller aux consultations. La dernière fois que j'ai été, ils m'ont dit, si tu n'as pas senti des douleurs, tu n'allais pas venir. Et j'ai dit, c'est parce que je suis enceinte quand je suis venu. Quand ils m'ont observé, on m'a dit qu'il reste un bilan et consultation et autres. On m'a dit de la laisser rentrer à la maison pour aller faire des petites marches. De faire d'abord une semaine pour voir. Et dans la semaine, j'ai commencé par faire des promenades. Pendant le programme de jeûne de jeûne. 10 jours. Oui. Et à 3 jours du programme de la chambre haute. Le dimanche, j'étais venu, j'étais là fatigué. Et à un moment, je suis rentré dedans, on a commencé par prier. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et arrivé à un moment, apôtre Paul donnait des requêtes. Et arrivé à mon niveau, il a commencé par dire aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Et il a commencé par faire cette proclamation sur la grossesse. Et je disais amen, ainsi soit-il. Et le soir, je ne sais plus où rester. Et le lendemain, je dis, je vais aller me promener encore. Et j'ai dit à mon époux de ne pas durer en ville. Et il est revenu. Je lui ai dit, Ea, mon colis, on y va. Et arrivé là-bas, ils m'ont dit encore d'attendre que je ne sens réellement pas de douleur. Et j'ai dit à mon époux, va voir les sages-femmes, ce que je sens c'est autre chose. Et elle a pris le canet, elle est rentrée dedans avec moi. Si vous la laissez encore se promener, l'enfant va tomber par terre. Et on m'a mis dans leur pousse-pousse et je suis rentré. Je suis monté sur la table, ils ont fait leurs choses. Quelque temps, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur. Et la sage-femme me dit, mais tu es déjà là avec ton Seigneur. Et j'ai commencé à invoquer le Seigneur. Et il y a une dame là qui mélangeait tous les noms qu'elle connaissait. Et j'ai crié, Jésus, tu es où? Et j'ai dit, Seigneur, maintenant, ça y est, descends et sors l'enfant. Alléluia. Et en ce moment précis, j'ai vu les anges qui sont apparus devant moi. Et ils sont partis. Et les cinq femmes ont couru. Et ils ont dit, il faut pousser, il faut pousser. Ah! Et ton plagada. Alléluia. Jésus est vivant. Amen. Alléluia. Je sais que le serviteur Abraham a certainement un témoignage. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Avant de donner un bref témoignage, je voudrais chanter ce cantique au Seigneur. Yes. Alléluia. Amen.
Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme est dans la joie. 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 Car je sais que tu es là. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Oh, oh, oh. Mon âme te bénit. Car mon âme te bénit. Car je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là, Agneau de Dieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Je donne gloire au Seigneur. Amen. Mon épouse et moi, nous disons merci au Seigneur. Amen. Parce qu'il est fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Il faut dire que ça fait bientôt 10 mois qu'on s'est marié. 10 mois! Moins d'un an! Le Seigneur, dans sa grâce, nous a unis par les liens du mariage. C'était un moment d'épreuve. Et le Seigneur a manifesté sa fidélité. Et juste après le mariage, il y avait pas mal de défis devant nous. Et on se disait, mon épouse et moi, on devait attendre un moment avant que le Seigneur n'envoie l'enfant. Alléluia. Mais les hommes proposent, mais Dieu dispose. C'est lui qui a le dernier mot. Il faut dire que quand la nouvelle était tombée où mon épouse était enceinte, tout de suite on a pris peur parce qu'on s'est dit on n'était pas prêt, c'était pas ce qu'on avait convenu. Et on a demandé au Seigneur qu'il connaît nos réalités, qu'il connaît que nous ne sommes pas préparés pour ça, qu'il nous fasse grâce. Mais à cette prière, le Seigneur a été silencieux. Et on s'est dit, bon, quand le Seigneur décide, qui peut s'opposer à sa volonté? Alléluia. Et c'est comme ça, mon épouse et moi, on a commencé à se fortifier dans la prière. Et le Seigneur, tout de suite, nous a bénis. Il a ouvert toutes les portes qui semblaient être fermées. Alléluia. Et nous avons vu aussi la grâce d'avoir un berger. La grâce d'avoir un père dans la foi. À la personne des serviteurs, principalement l'évangéliste Jean Gratien. Je demande que le peuple acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia.
C'est un père, c'est un bon père. Alléluia. Un père, c'est celui-là qui connaît les besoins de ses enfants et qui vient à point nommé pour les soutenir, les conseiller et aussi prier pour eux. Et il a su le faire. On n'est jamais assez mature pour penser qu'on peut soi-même se défendre devant toutes les situations. On a toujours besoin des autres, surtout des aînés. Alléluia. Et le Seigneur, au fil des mois qui passaient, nous a vraiment fortifiés. On a commencé à se convaincre que bientôt, on sera des parents. Et ça a suscité en nous une joie. Alléluia. Une joie vraiment qu'on ne pouvait pas décrire. Et par moments, on se taquinait. Maman Grâce, Papa Abraham. Alléluia. C'était vraiment formidable. Gloire à Jésus. Et le Seigneur, dans sa grâce, a permis que tout se passe bien durant la grossesse. Elle n'a pas eu de malaise. J'étais là pour l'assister à toutes les consultations. Et même certaines personnes se demandaient, mais laisse-la, non, c'est une femme, elle peut se défendre. J'ai dit, non, celle-là, c'est ma protégée. Alléluia. Et le Seigneur a permis, le jour J où elle devait accoucher, on ne s'y attendait pas, c'était un jour de consultation, elle préparait. On avait une sauce qu'on avait décidé de préparer, c'était un repas sénégalais, et on a commencé à le faire. Et on s'est dit, ah, il faut aller à la consultation. Je vous assure, on est parti jeudi soir, mais on est rentré dimanche soir à la maison. Puisque quand nous sommes partis, c'est là que tout a commencé. Il faut dire que le Seigneur nous avait aussi déjà préparé. On avait déjà compris que c'était un moment qui sera difficile. Mais le Seigneur nous a promis qu'il sera avec nous. Et dès qu'on est allé à la clinique du quartier, qui n'est pas loin, ils avaient déclenché le travail. Et ça ne se passait pas bien, parce que j'étais dans la salle d'accouchement. J'ai demandé à être présent, et ils ont permis cela. Et quand je voyais, j'ai fait appel à une sœur, la sœur Esther du Burkina Faso. Et je demande que le peuple de Dieu acclame sa servante, acclame le Seigneur pour sa servante. Alléluia! Elle a été prompte à venir. Et dès qu'elle est venue, on s'est engagé dans des moments de prière. On a commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et on a dit au Seigneur, si c'est sa volonté qu'elle accouche ici, qu'il le fasse. Au bout d'un certain temps, j'ai rencontré les sages et je leur ai parlé, je veux déplacer mon épouse. Elles ont accepté, nous ont fait un papier et on est allé dans un autre centre. Et arrivé là-bas, moi, j'étais entré à l'intérieur. J'étais dans la salle d'accouchement. Puisque je suis agent de santé, donc dès que je me présente, on me permet d'entrer. Et j'étais là avec elle. Elle ressentait les douleurs. Je la fortifiais, on chantait. Mais à un moment donné, elle ne pouvait plus supporter. C'était difficile. Et le gynécologue qui devait venir, lui, il était coincé dans un embouteillage. Et c'était difficile. Mais la sœur Esther était dehors. Elle priait. Elle priait. C'est pour cela, je vous assure, ayez des sœurs comme la sœur Esther à vos côtés. Alléluia. Amen. Elle nous a vraiment soutenus dans la prière. Et quand le médecin est arrivé, ils avaient déjà posé leur diagnostic. Et après l'accouchement, il y a eu un souci qui s'est posé parce qu'elle a perdu beaucoup de sang. Et ils ont demandé à lui faire une transfusion sanguine. J'étais au service quand ils m'ont appelé pour dire « Ah, on doit lui faire une transfusion sanguine. » Je leur ai dit « Patientez, j'arrive. » Et à mon arrivée, j'ai demandé qu'on prenne de mon sang et qu'on lui transfuse. Mais ça devait prendre beaucoup de temps. Vu son état, ça devait prendre beaucoup de temps. Et je suis allé prendre les poches de sang. Mais je n'étais pas, j'avais pas la paix parce que je me dis, je ne veux pas qu'on lui transfuse un autre sang. Et le Seigneur m'a dit, ne t'inquiète pas, prie sur les poches de sang. Et j'ai pris les poches de sang, j'ai commencé à prier.
J'ai commencé à invoquer le sang de Jésus, à demander au Seigneur tout ce que contient ce sang qui n'est pas de lui soit complètement ôté au nom de Jésus. J'ai prié avec une foi ferme. Et quand l'infirmière est venue, elle a pris les poches de sang, elle a branché, elle a fait toutes les canalisations, tout et tout, et elle a fermé. Dès qu'elle ferme, ça veut dire que le sang ne peut plus passer pour le moment. Mais à notre grande surprise, c'est que le robinet s'est ouvert de lui-même. Et une partie du sang a commencé à couler. Jusqu'à ça couler sur le lit, c'est allé par terre, tout et tout. Elle aussi, elle était surprise, elle ne comprenait pas ce qui se passe. Et après que cette partie-là a coulé, ça ne coulait plus, ça s'est arrêté. Et c'est là, elle a maintenant branché au tuyau qu'ils ont mis à son bras pour commencer à faire passer le sang. Et le Seigneur va me dire que c'est la partie impure. Alors, c'est la partie impure que contient ce sang qui l'a permis que cela soit évacué. Yes. L'infirmière était troublée, elle ne comprenait pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle aussi, ça l'a vraiment tâchée, elle ne comprenait pas. Ce n'est pas quelque chose qui se passe généralement à l'hôpital. Et le Seigneur me dit, ne t'inquiète pas, j'ai exaucé ta prière. Elle a reçu mon sang. Amen. Elle a reçu mon sang et rien que mon sang. Alléluia. Et juste après cela, la pâleur qu'elle ressentait, tout est revenu normal. Elle a commencé à marcher. Et vraiment, ils nous ont libérés la nuit d'après. Et le dimanche soir, ils nous ont demandé de rentrer chez nous. Alléluia. Amen. Et quand elle est rentrée à la maison, tout se passait bien. Le bébé aussi se porte bien. Lui, il ne fait que téter, dormir. Alors, il y a un événement que je veux aussi partager, c'est que le sein maternel ne sortait pas. Et le bébé prenait du lait. Pardon, le lait maternel ne sortait pas. Voilà. Et le bébé prenait le lait artificiel. Mais je n'étais pas content. Alléluia. J'ai dit, est-ce que tu as la foi? Elle me dit, oui. Et j'ai imposé ma main sur sa poitrine et je me suis mis à prier. Aussitôt que j'ai fini, le lait a commencé à couler. Ah! Jésus! Et il faut dire que je me suis basé sur le témoignage de l'homme de Dieu, l'évangéliste Jean Gratien, qui a partagé la même chose ici avec moi. Je me suis dit, Seigneur, si tu l'as fait avec ton serviteur, c'est que tu peux aussi le faire avec moi. Amen! Alléluia! Donc, nous bénissons vraiment le Seigneur. Le bébé se porte très bien. La maman aussi se porte bien par la grâce de Dieu. Les parents nous ont soutenus. Les serviteurs aussi nous ont soutenus. Et nous voulons dire vraiment merci au Seigneur. Ce que je note de ce moment, c'est que le Seigneur a été fidèle. Il a vraiment été fidèle. Nos craintes, nos inquiétudes, tout a été multiplié par zéro. Amen. Et je veux donner gloire au Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, je vais demander à chaque maman de tenir les enfants. Nous allons les consacrer. Prophète, viens m'aider. Chaque papa derrière chaque bébé. Amen. Voilà. Amen. Voilà, c'est... Amen. Amen. Le premier garçon du couple Abraham et Grace va s'appeler Bezalel Isaac. Alléluia! Alléluia! Gloire à Jésus! Le deuxième bébé, c'est
une fille. Bon, il faut dire que Bezalel signifie sous la protection de Dieu. Amen. Voilà. Le deuxième couple, le couple Philippe-Sarah, à qui le Seigneur a fait grâce d'offrir une belle fille. La belle fille va s'appeler Eunice Bénédicte. Eunice, qui veut dire grande victoire en Jésus. Amen. Le troisième couple du le troisième couple de du frère Miracle et Ruth, eh bien, le Seigneur leur a fait grâce aussi d'une belle fille qui va s'appeler Moïsette Light. Light qui veut dire lumière de Dieu. Amen. Et le quatrième couple, le couple de diacre Israël, à qui le Seigneur a fait grâce d'un joli garçon qui va s'appeler Marc. Alléluia. Nous allons proclamer Nous allons nous tenir debout, toute l'assemblée, et nous allons proclamer Psaume 91. Je dis et vous répétez, et cela va s'accomplir sur la vie de tous les enfants que le Seigneur a envoyés depuis le ciel pour le servir. Avec nous, nous le prenons au nom de Jésus. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, le Dieu en qui ses enfants se confient. Car c'est lui qui les délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il les couvrira de ses plumes. Et ils trouveront un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ses enfants ne craindront ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que mille tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. De leurs yeux seulement, ils regarderont et ils verront la rétribution des méchants.
car Jésus-Christ est leur refuge. Jésus-Christ est leur Dieu. Ils font du très haut leur retraite. Aucun malheur ne leur arrivera. Aucun fléau n'approchera de leur tente. Car il ordonnera à ses anges de les garder dans toutes leurs voies. Ils les porteront sur les mains, de peur que leurs pieds ne heurtent contre une pierre. Ils marcheront sur le lion et sur l'aspic. Ils fouleront le lionceau et le dragon. Puisqu'ils aiment Dieu, Dieu les délivrera. Jésus les protégera. Puisqu'ils les connaissent, ils les invoqueront et il leur répondra. Il sera avec eux dans leur détresse. Et il les délivrera et glorifiera son nom dans leur vie. Il les rassasiera de longs jours et leur fera son salut. Nous proclamons ces paroles sur la vie de ses enfants. Nous proclamons ces paroles sur la vie de Bezalel, Isaac, sur la vie de Eunice, Bénédicte, sur la vie de Moïse, Light, sur la vie de Marc. Et nous scellons ces paroles dans leur vie, sur leur âme, sur leur esprit. Je proclame qu'ils soient marqués par le sang de Jésus-Christ. Soient marqués par le sang de Jésus. Soient marqués par le sang de Jésus. Soient marqués par le sang de Jésus. Toute mauvaise langue qui va se tourner contre vous soit pourri dans leurs orbites, dans leur bouche, au nom de Jésus. Seigneur, tu les protèges de ton feu. Tu les couvres de ton sang. Toute main invisible qui va se lever contre eux soit paralysée au nom de Jésus. Tout sorcier qui va lever les yeux avec eux, que leurs yeux pourrissent dans leurs orbites au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ces foyers, que les portes de grâce s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent sur ces foyers. Seigneur, donne la sagesse à ses parents d'éduquer ses enfants selon la crainte de ton nom, dans la sainte doctrine, dans la sanctification, dans la vérité à ta parole. Seigneur, soutiens-les. Veille sur chacun de papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamez pour le roi.